Ancien vice-président américain Joseph R. Biden Jr., qui trouvait le paysage politique américain depuis presque un demi-siècle, joue une projection organisation de pression comme candidat qui remportait l'élection présidentielle là aux États-Unis. Et il est bien capable de parer pour le prêter serment comme nouveau leader américain dans date 20 janvier prochain. Comme ça, Biden, qui gagne 78 ans, capable de tourner président américain qui pique grand monde dans toute histoire pays. Vraiment vrai, organisation nouvelle, yo, projeté M. Biden comme candidat qui remportait l'élection, qui donc l'état président en place là, républicain Donald Trump, après une campagne qui était chargée d'attention et après responsable électoral, yo, t'es passé quelques jours à compter voyou. Biden, c'est un leader démocrate qui t'est passé 36 ans dans le Sénat et puis 8 ans comme vice-président sous administration Barack Obama. Autorités concernées ont toujours gagné pour certifier résultat résultats, tandis que le Parti républicain gagne tout droit pour défier résultat résultats dans le tribunal. Cependant, les spécialistes prévoient pas pral gagner un changement, résultat résultats apprêté, résultat final. Pendant Joe Biden a réagi sous projection ça, il écrit sous compte Twitter un message livré par le peuple américain, côté il déclarait: c'est un honneur pour moi dès que nous choisissons pour me diriger pays noir. Mais ce message l'a dit mot pour mot. Peuple américain, c'est un honneur pour moi dès que nous choisissons pour me diriger grand pays noir. Travail Captain Noir, c'est un travail difficile. Cependant, mais ça me promet nous. Moi, je vais le diriger comme président tout américain, quitte nous te voter pour moi, quitte nous pas de voter pour moi. Moi, je vais le respecter. Confiance nous placer dans moyen. Fin citation. Eh bien, bonsoir, c'est Jean-Aubert Philippe. Je vais retourner pour participer avec nous. Je vais vous mettre ma tournée sous ce qui passé, mais pas vraiment un nom qui fait en termes de, excepté sous projection qui fait à Jean Poteau. Et pas vraiment gros bagage qui fait depuis le départ avec nous matin. Hein. Après projection qui fait, qui montre que quand le candidat démocrate à Joe Biden, c'est lui-même qui remporte l'élection. Me rappelez nous après projection qui fait, parce que raison que fait nous dit projection, c'est parce que bulletin va finir compter et bulletin a compté toujours, donc c'est jusqu'à ce que bulletin finisse compter, c'est le ça et état ou bien commission électorale dans l'état capable de déclarer un candidat remporte l'élection. Et état lui-même il gagne 30 jours pour le déclarer un candidat remporte l'élection. Ça veut dire que là, nous voyons que les États-Unis ont déclaré depuis la veille ou bien depuis dans la soirée élection, ouais, et ont déclaré tel candidat a remporté l'élection, ou tout candidat ont fait discours d'acceptation ou bien de défaite. C'est parce que ce sont une sorte de consensus qui joint entre les médias, yo, qui gardaient les résultats, les bulletins qui comptaient déjà, qui en aucune façon, vu que c'est les bulletins qui comptaient, yo, et vu que le pourcentage d'un candidat mené devant l'autre, pas aucune façon que le candidat qui est derrière capable de jouer notre là. Si ça fait, vous faites comme ça.
Mais en général, résultat élection en général, l'État a gagné pratiquement 30 jours pour avoir le résultat final. Parce que pendant que tout État finit le résultat, il y a résultat projection, projection. Mais il dit que il a été quoi? Vu que c'est un vote qui comptait déjà, avec ça qui était, il n'y a pas quoi que le candidat qui a mené, qui est derrière, capable de jouer le candidat qui est en tête là. C'est ça seulement. Et ça fait que moi, je dis non, c'est projection. C'est pas que je me dis que, convaincu, il y a plusieurs qui côté, qui est le président et le candidat démocrate là, président élu. Parce que les projections ont montré que c'est lui qui a remporté l'élection. C'est sa position montée. Et il ira pour que la position baille et pas dire la vérité. Alors, ça fait que moi, je dis nos positions. Moi, je lis quelques commentaires nous faisons sur page La Voix de l'Amérique là. Bon, on a raison, mais une projection est une projection. Bon. Alors, en parlant de position, bon, dis-nous. Quand déjà la campagne Parti républicain, Donald Trump lui-même, eh bien, il a déjà dit qu'il va tacler la projection dans le tribunal lui-même. Ça veut dire que il n'est pas semblé que les républicains ou bien campagne président Donald Trump ont accepté la projection qui fait qu'il baille quand déjà Parti démocrate là, Joe Biden est vainqueur de l'élection présidentielle là. Ça m'a fait pour nous depuis que je suis parlé avec nous. Nous mettons sur Facebook. Nous avons plusieurs textes qui sont écrits sur l'élection. Nous avons plusieurs textes qui sont écrits sur Joe Biden. Et nous avons quelques vidéos autour qui parlent côté de réaction. Réaction, que ce soit dans Washington DC, que ce soit si dans New York, de côté qui vote Joe Biden, et que ce soit si dans Miami, côté que. Et c'est Miami, Floride, pratiquement Floride, État Floride, voté et président Donald Trump, et pour président de l'affaire, délégué, c'est le délégué et Miami, et délégué Floride. Donc c'est comme ça que ça est qu'on a. Donc on a plusieurs textes que nous mettons, il y a des vidéos que nous sommes capables de regarder, et il y a des textes que nous sommes capables, si nous sommes capables de chita, les textes surtout qui même parler d'un peu de parcours, Joe Biden. Pendant 36 ans, il fait comme sénateur. D'ailleurs, il était 29 ans. Il était sénateur aux États-Unis. C'était sénateur qui était plus jeune dans l'histoire des États-Unis. Il était 29 ans. Ensuite, ils font 8 ans mandat encore comme vice-président. Et Kounia, et d'après projection, il a obtenu comme président. Côté de l'autre mandat, 4 ans encore peut-être. Pour en connaître. Il a doublé tout. Ça dépend. Alors, si nous étions branchés encore sur télévision, et nouvelle quelques chaînes de télévision, c'est que l'État semblait que le candidat a une chance pour prendre la parole, probablement à soi, comme c'est normal. Mais pas grand équipe politique qui dit que la parole libre elle prend a bien pour son déclaration que de parler de cas et victoire, mais pas un discours comme un vainqueur. Mais elle prend la parole quand même. Et tout comme nous-mêmes, tout m'a branché, tout pour me connaître ça, Lizzy. Et si c'est nécessaire encore, et demain encore, on a fait un petit causé, on a fait un petit bat de bouche sur ce qui passait exactement. Et c'est samedi, je vous dis, puis l'autre, il y a l'histoire, tout marqué, tout pendant l'élection, ça. Il y a Kamala Harris, donc c'est colistier, donc candidat pour poste vice-président, qui poste pour le puisque c'est colistier lié et tout. Et bien, lui-même, l'a tourné dans l'histoire. Elle a marqué l'histoire comme première femme noire qui remportait, ou bien qui tournait, qui vient vice-président des États-Unis. Et non seulement première femme noire, mais tout comme petit immigrant qui a occupé une fonction pareille, capable personnalité, en fait personnage numéro 2 dans la nation. Donc d'abord Kamala Harris, moi-même j'ai une réaction qui sortit un peu partout, que ce soit c'est du côté ancien candidat ou bien ancien officiel républicain, et même et l'autre côté qui a réagi tout sous projection qui fait là pour souhaiter la victoire. Donc moi pas une question que m'a répondre, et c'était que m'a dit non passé un très bon week-end, moi-même j'étais commencé week-end moi-même camper week-end pas maintenant. Parce que nous devons venir partager un bagage avec nous.
et comme était dit m'a tourné une fois tu vas non mais c'est ça que et là nous c'est seulement et ça cap garder kounia c'est plus voix ça c'est plus voix collège électoral là et Biden censé collecter kounia là en plus de 270 là dernier chiffre que la voix de l'Amérique publié il était metté là 279 et gain l'autre côté qui probablement bail plus mais la voix de l'Amérique kembe ont 270 ans alors qu'il besoin seulement 270 pour le déclarer pour les et déclarer vainqueur et élection et production de la victoire donc n'a suivi ensemble à votre passez bon week-end moi je suis commentaire comment nous venons jouer nous pas bien jouer nous on ça nous dit moi ça nous dit yo quitte yo je fais moi tout je suis bien content que le fait que nous capable comme ça OK et bon comment dit nous bon week-end nous capable demain ça dépend si grand changement qui fait n'a suivi officiellement campagne à part de campagne président Donald Trump qui font parler qui dit que yo pourrait aller ben là pour finir pour eux-mêmes yo pourrait aller dans tribunal la veille gagner et sous tweet président Donald Trump fait jusqu'à présent pas tellement aborder question ça question ça il a dit lui-même il pas accepter une victoire Joe Biden et gagne leur parole encore qui était certain à venir mais n'a suivi pour moi qui ça tu as dit et qui belle bac a dit Novence, want to be in your video. Hola, je suis là. Non, c'est un monde qui dit, mais ça veut dire que ça. On dit, ça veut dire Biden qui ça. Non, ça veut dire Biden, position du CELI président. Président du CELI qui a prêté seulement le 20 janvier 2021. Et sa position veut dire. Je veux dire que c'est l'équipe qui remporte l'élection. C'est une position liée. Parce que pourquoi il faut officiel il faut officiel ça fait que les est en position est en projection l'Irak en position changer l'Irak ça va c'est ça dans les miracles mais il y avait tout contact qui a fait déjà position il y a plus chance pour la vérité que les pas qu'elle pas la vérité mais on après tu suis pour ouais et tu suis même avec moi tout pas vrai oui Nadine bon non Notin Edouard, Modelé Edouard, oui, m'entend de sortir. Ou bien raison, m'entend de sortir. On s'en dit avec ça. D'accord. Bonne fin de soirée. Allez, bye bye. M'envoie une liste sur la page Facebook à la Voix d'Amérique. Là, il y a quelques petits bails que je mets là pour nous, quelques petites vidéos que je mets là pour nous, pour nous rafraîchir pendant la soirée. Là. En attendant, si vous avez des discours à faire la soirée, à faire, restez branchés. Collège électoral là pour qu'on ait un résultat pour positif. Non, collège électoral n'a pas un résultat positif. Ça, collège électoral là, c'est représentant l'État. C'est ça que la population elle voté dans l'État, elle voté pour collège électoral là. Et ce collège électoral là, il réunit lui-même qui confirmait, en fait, pour ce sujet là, il est comme ça. La population vote collège électoral là, qui vient de tourner en élection second degré. Et chaque État que le candidat a remporté, elle réunit 270 voix dans tout État, minimum, et bien, il a remporté, donc l'État a confirmé le Kounia. Ensuite, information ça, là, j'ai une congrès avec mon copine archive, et congrès a fait comptage et quantité de voix électorale, et lui-même, la congrès a confirmé le 20 janvier, même mon cap prochain président États-Unis. Et une fois que le congrès a fini de faire lui, et son mari qui fait peut-être une ou deux semaines avant le janvier, Konga a confirmé ça lui-même à partir des formations que chaque État a voyé, à partir du collège électoral a voyé, bah, donc il a confirmé que M. X ou Madame, en général, c'est toujours un garçon qui est président des États-Unis, donc M. X est lui qui remporte l'élection à partir des formations que je vais nommer collège électoral. Donc nous rappelons que le collège électoral a gagné 538 membres là-dedans. Le candidat pour l'emporter l'élection a besoin de 270 voix minimum. Et le collège électoral, c'est une compilation de différents représentants dans chaque État. Les mettez tout ensemble. État, il y a une quantité de représentants dans le collège électoral. Il dépend de la population que l'État a gagné là-dedans. Par exemple, l'État de Pennsylvanie, que le contagion monté, ou bien la position montée que Joe Biden a remporté. Ou bien l'État de Pennsylvanie, qui est par exemple 20 membres du collège électoral. Alors que Floride, que Biden a remporté, lui-même, il a gagné
et 29 membres du collège électoral. Là. L'autre État, par exemple, et Californie, gagne 55 membres du collège électoral là-dedans. Et alors que Texas, Biden remporte Californie, alors que Texas lui-même, et que Trump remporte, mais Texas lui-même, il gagne 38 membres du collège électoral là-dedans. Voilà, c'était juste un petit rafraîchissement d'abord. Bye bye, bonne fin de soirée. Je vais aller faire ça.